Qui a dit que l'Algérie ne faisait pas grand-chose pour sa diaspora? Suite à l'initiative du président de la République, eh bien, écoutez, moi, quand je vois aujourd'hui qu'il est possible pour la diaspora de venir en Algérie avec un passeport valide étranger, mais sans visa, à condition effectivement de prouver de venir avec soit une carte biométrique algérienne, soit un passeport algérien, et eh bien même périmé. Déjà, chapeau. De plus, Air Algérie qui a fortement baissé ses tarifs. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses en fait. Je vais pas en Algérie parce que c'est trop cher. Je vais pas en Algérie parce que c'est trop compliqué. Je vais pas en Algérie parce que ceci, parce que cela. Écoutez, moi ce que je vois, ce ne sont que des initiatives destinées donc aux Algériens et Algériennes du monde entier pour venir découvrir leur pays, pour venir découvrir les opportunités, le potentiel qu'offre aujourd'hui l'Algérie à ses enfants du monde entier. Alors, n'attendez plus le bon moment, le bon endroit. N'écoutez pas ce que vous disent les autres qui passeront leur temps encore et toujours à dénigrer l'Algérie, à dénigrer votre projet, à dénigrer votre expertise ou ce que vous souhaitez réaliser. Allez-y, foncez, venez voir par vous-même, prenez la température et simplement choisissez. Franchement, moi je dis bravo aux autorités algériennes de pouvoir eh bien, permettre et faciliter eh bien, justement la venue de la diaspora en Algérie. Force et détermination.